Notre objectif, c'est vraiment de fixer des orientations, de fixer des axes forts dans lesquels tout le monde se reconnaisse. Et quand je dis tout le monde, c'est l'ensemble du sport. Nous n'avons pas voulu mettre tel ou tel sport au banc de je ne sais quoi. Nous avons constaté qu'au fil des séances qui se déroulaient, les commentaires dans la presse, écrites, audiovisuelles, et de manière générale dans la presse, étaient centrés sur le cyclisme. La proximité du Tour de France monopolisait les questions sur ce sujet. C'était pas un rapport contre le cyclisme, ni pour le cyclisme. C'était un rapport contre le dopage, pour favoriser la lutte contre le dopage. Et nous avons essayé d'être précis dans les propositions que nous faisons, au nombre de 60, parce que c'est important que les Français sachent qu'il y a des parlementaires qui se préoccupent de la lutte contre le dopage, et que nous, si nous le faisons, c'est parce qu'il y a un problème de dopage, non seulement dans le sport que vous avez indiqué, mais dans l'ensemble des sports. Alors, je ne vais pas aujourd'hui faire de révélations particulières. Le rapport et son annexe sont là pour démontrer que nous avons travaillé sérieusement, sans avoir de pression particulière. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser à l'excès, mais il est vrai qu'il y a cette éternelle course contre la montre, entre ceux qui consomment, ceux qui alimentent le dopage, et puis d'autre part ceux qui le combattent. L'objectif, l'ambition de cette commission, c'est de faire en sorte que, très rapidement, les forces qui combattent le dopage prennent le dessus, prennent même une longueur d'avance. C'est le titre de notre rapport sur ceux qui, effectivement, cautionnent ou participent activement à l'utilisation de ces produits interdits. N'oublions pas que la politique officielle en France, mais également au niveau international, c'est la non-utilisation de ce type de produit. Donc l'objectif en matière de politique publique ne peut être que l'éradication. J'ai eu le sentiment que certains présidents de fédérations se sentaient moins concernés que d'autres dans cette préoccupation à caractère social, car n'oublions pas que les produits utilisés sont très dangereux pour la santé des sportifs eux-mêmes. Mais j'espère effectivement qu'à partir de cette commission, à partir du moment où la parole se libère, tout le monde se sentira davantage concerné. Je crois aussi que l'organisme qui fédère l'ensemble de la famille sportive, c'est-à-dire le Comité national olympique et sportif, donnera un certain nombre de consignes, de préconisations à ces fédérations qui, pour certaines, donnent le sentiment parfois de traîner un petit peu les pieds. Je le rappelle, il n'y a rien de pire que la politique de l'autruche en la matière. Si l'on veut construire quelque chose de nouveau, il faut le faire sur des bases saines, notamment en termes de vérité et en termes de transparence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, face à certaines réticences, je m'interroge sur la capacité de certaines disciplines sportives à s'auto-réguler elles-mêmes, d'où l'intervention nécessaire de la puissance publique et notamment de l'État. D'un côté, on sait, et je reprends une formule qui a été très souvent employée, il y avait une culture du dopage. Et de l'autre, c'est pourtant une discipline qui a multiplié les contrôles, qui a une véritable politique officiellement de lutte contre le dopage. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a eu des comportements, notamment de certains dirigeants, qui s'opposaient quasiment à la recherche véritablement de ces produits dans le monde du cyclisme. Donc il y a plein d'ambiguïtés dans la politique du cyclisme. J'ai confiance en la direction de la Fédération française qui veut se lancer dans une opération vérité. Je ne subis aucune pression, ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni d'ailleurs. Je suis assez connu pour être insensible aux pressions. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'en ai pas eu, du moins en ce qui me concerne. Les membres de la commission ne se sont pas plaints d'avoir des pressions diverses et variées. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire à certains de vos confrères, je ne vous dirai rien, puisque le rendez-vous, c'est la présentation officielle du rapport. C'est aujourd'hui. Nous avons dit ce que nous avions à vous dire. Nous avons répondu à vos questions. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est 4 mois de travail de la part de la commission. Ça a intéressé les sénateurs, ça intéresse la presse, tant mieux. Simplement, nous espérons avoir apporté une pierre à la lutte contre le dopage en publiant ce rapport. Nous avons subi effectivement des pressions, mais c'était des pressions très contradictoires. Pour certains, il fallait diffuser, pour d'autres, il ne fallait rien dire. Donc, puisqu'elles étaient contradictoires, cela rejoint ma conviction, c'est que notre position a été une position de justesse et d'équilibre.